1940, à la fin de juin, 122 hommes de l'île de Saint prennent la mer sur six bateaux pour l'Angleterre là-haut, lutter pour la liberté. C'est une France, grande France, lorsque leurs enfants vont vous défier. Parlait-il français, parlait-il breton? Peu vous importait alors la question. Ils avaient entendu l'appel crier Kentor Mervel, c'est la France, grande France, que ne condamner leur langue. C'est violence, grande France, que ne condamner leur langue. Tous n'étaient pas